Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle rencontre Book Club le matin. On est très ravis et de vous recevoir puisque cette rencontre elle intervient en marge du Salon Livre de Jeunesse qui est organisé par votre ami Amina Msnaoui. Donc, c'est avec grand plaisir que je lui cède la parole pour présenter nos éminents intervenants pour ce soir. Bonsoir. Tout d'abord, je voudrais vous remercier de votre présence. Merci à tous. Alors, cette édition est très importante pour moi parce qu'elle devait être annuelle depuis 2019. Malheureusement, à cause du Covid, on n'a fait que 2019 et on s'est arrêté. Donc, on reprend cette année. Et j'espère qu'avec votre soutien à tous, avec l'amitié de tous mes amis auteurs de Gallimard principalement et des autres éditeurs et des éditeurs marocains qui m'accompagnent, nous pourrons la renouveler tous les ans. Et peut-être avec des aides de sponsors et des partenaires qui me soutiennent. Alors, je ne vais pas vous prendre la parole longtemps parce qu'on a quand même tardé à commencer. Il y a Maryam Zahraji qui va modérer cette rencontre. Ce sera avec Tahar Ben Jelloun, que n'a pas besoin de présenter, mais elle fera quand même un petit aperçu. Aurélie Gerlach et Rachid Benzine. Alors, Aurélie remplace au pied levé Jean-Philippe Arouvignaud, qui devait être parmi nous ce soir, qui est en quelque sorte le commissaire de cette édition, alors que Tahar est le parrain de l'édition. Jean-Philippe est très malade, il n'a pas pu la prendre l'avion ce matin, donc la charge de revanche pour lui de nous refaire ça une deuxième fois. Très bonne soirée. Merci Amina, merci au Book Club le matin qui nous reçoit ce soir en marge du salon justement organisé par Amina Msnaoui, fondatrice de la librairie Porte d'Enfa et qui fait un travail formidable pour la promotion de la lecture. Alors, bien évidemment, mes invités ne sont plus à présenter, mais j'ai quand même présenté Aurélie Gerlach, qui est administratrice de la charte des auteurs et des illustrateurs jeunesse et romancière. Et elle écrit pour les jeunes, elle écrit des livres jeunesse. Monsieur Tahar Ben Jelloun, membre de l'Académie Goncourt, et bien sûr, romancier. Pas grave. Des choses qui arrivent, c'est pas grave. Alors, Rachid Benzine fait plein de choses, donc je vais lire. Alors, Rachid est enseignant à Sciences Po Paris. Il est politologue et islamologue. Il est romancier. Et il est nouvellement élu au Conseil supérieur de l'éducation. Voilà. Bravo, hein. Donc, il aura certainement plein de choses à nous dire sur la lecture et sur la promotion de la lecture. Voilà. Alors, ceux qui me connaissent savent que je suis ravie d'être ici aujourd'hui parce que là, et je suis ravie de voir qu'il y a une salle bien remplie pour une thématique sur la jeunesse. Et vous savez que c'est une thématique très, très importante. Vous savez aussi que le ministère de l'Éducation a lancé un grand chantier de la promotion de la lecture. Maintenant, on va voir dans quelle mesure ce chantier va être efficace. Et puis, on va discuter avec nos invités sur les moyens à mettre en place et à mettre en œuvre pour promouvoir la lecture et diffuser un peu la littérature jeunesse. Je vais commencer peut-être par Monsieur Tahar Ben Jelloun et vous demander aujourd'hui, d'abord, peut-être faire un premier tour de table avec une première question. Aujourd'hui, où en est-on de la littérature jeunesse, notamment au Maroc? La littérature jeunesse a un grand succès en France en tout cas, et elle arrive aussi ici. Le problème, c'est que la lecture connaît une vraie déshérence et que les parents ne lisent pas ou ne lisent pas assez ou n'incitent pas leurs enfants à lire. Alors évidemment, il y a les écoles. Les écoles, finalement, c'est le point le plus important, c'est de là où partent les potentialités de lecture. Et je l'ai vu souvent, c'est-à-dire que tant que on ne leur pose pas, leur donne pas un livre à lire, ils ne vont pas lire d'eux-mêmes. Il faut un peu les inciter à lire. Et c'est curieux parce que la jeunesse est la même partout, hein. Qu'on écrive en français, en arabe ou en espagnol, je pense qu'un enfant, surtout quand il est encore très jeune, on lui raconte à peu près les mêmes histoires, hein. Il y a des histoires universelles
Et c'est pour cela que ça marche aussi bien en France qu'ici. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est juste donner une poussée, une incitation supplémentaire pour que la lecture devienne quelque chose de naturel, d'important. Je ne sais pas si c'est Hegel qui disait « la lecture, c'est vice impuni ». C'est-à-dire, finalement, c'est un plaisir et en même temps un vice impuni dans la mesure où ça fait du bien. Bon, il faut essayer d'expliquer à des enfants, dès les plus jeunes âges, que lire, ça fait du bien. C'est pas mal, c'est bien. Bon, évidemment, il faut avoir des biscuits, il faut avoir des choses à leur donner. Et c'est pour ça que moi, j'ai l'habitude, depuis maintenant des années, à me rendre dans les écoles, toutes les écoles, quelles qu'elles soient d'ailleurs, pour parler, pour leur donner envie de lire. Parce que c'est une incitation. Les enfants sont disponibles. On peut leur donner un objet pour jouer. On peut aussi leur donner un livre pour lire. Tout dépend ce qu'on veut faire. Merci beaucoup, Rachid. Je sais que les travaux du Conseil n'ont peut-être pas encore démarré, puisqu'il a été récemment nommé. Mais on va dire que peut aujourd'hui l'école, justement, dans la promotion de la lecture. Qu'est-ce qu'on peut faire à l'école? Ce que je pense, c'est que l'école, d'abord, est inscrite dans la société. Il ne faudrait pas en faire un îlot sacré pour que ce soit uniquement celui de l'éducation et de l'instruction. Et que, fondamentalement, avec le monde que je dirais que nous vivons, nous avons besoin de lieux d'hybridation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas penser la lecture simplement d'un côté, celui de l'école, celui de la famille ou de la culture, mais que globalement, la lecture, ce sont des usages. Et quand on voit les enfants, quand on voit les jeunes, il y a différents usages. Donc déjà, il faudrait commencer un peu à les répertorier. Et ces usages-là, ce sont des usages qui créent des espaces de liberté et d'émancipation. Et donc, je crois que nous avons besoin nous-mêmes, quelque part, de sortir de notre cadre normatif en tant qu'adultes, de ce que serait que la littérature de la jeunesse, de ce que serait que la lecture des jeunes. Ce qui n'est pas évident parce que ça suppose pour nous de sortir de notre système de référence par lesquels nous lisons le monde. Vous voyez, donc, et donc, moi, je crois qu'on a déjà un vrai travail de déconstruction de notre propre système parce que nous voudrions que les jeunes lisent comme nous aurions aimé qu'ils lisent ou comme nous éduquons. Donc, vous voyez, la question de projection sur un certain nombre de jeunes devient problématique. Mais ça suppose la question du diagnostic. C'est-à-dire que là, les jeunes lisent sur Internet. Il y a plein de pratiques de la lecture. Dans quelle mesure on donne de la légitimité à ce type de lecture? Ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Ensuite, est-ce qu'on peut essayer de concevoir, je dirais, des lieux d'hybridation autour de la lecture? Qu'il n'y ait pas simplement le livre et la lecture, mais peut-être de penser, me semble-t-il, à la fois avec les écrivains, parce qu'on ne peut pas penser, me semble-t-il, la lecture sans penser l'écriture. Ça va ensemble. Et on ne peut pas penser la lecture et l'écriture sans penser les pratiques culturelles à l'intérieur d'une société. Vous voyez, donc ça veut dire que si nous avons envie d'avoir une jeunesse qui lit, nous devons être capables de voir quelles sont les pratiques culturelles à l'intérieur, par exemple, de la société marocaine. Et ensuite, il y a un autre travail qu'il faudrait faire avec les artistes, avec les techniciens, c'est comment on bouleverse l'imaginaire de la lecture. Comment on fait pour bouleverser? Parce qu'une société, pour la changer, il faut s'adresser à son imaginaire, il faut s'adresser à son propre système de représentation. Tant que les représentations n'auront pas vacillé, c'est très difficile de trouver un espace qui va créer de l'action. Vous voyez, et on passe souvent, là je cite plutôt le philosophe Paul Ricoeur, on passe du texte à l'action en passant par l'imagination. Vous voyez, là, la question de l'imagination, elle est fondamentale. Et je trouve que ça doit nous mettre, me semble-t-il, au travail, à la fois avec les professeurs, à la fois avec les enseignants, avec à la fois les gens de la culture, et pour de se dire, mais qu'est-ce que c'est que lire aujourd'hui au XXIe siècle? Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on attend de la lecture? Est-ce que la lecture peut remplir, me semble-t-il, des fonctions? Et puis, il y a quelque chose, à mon avis, c'est du texte, moi qui ai l'habitude de travailler sur des textes, de l'écrit,
c'est comment on redonne de la parole au texte. Parce que le texte est d'abord une parole avant de devenir un texte. Hein. Ensuite, le texte donne une nouvelle parole. Et c'est là où on doit davantage, me semble-t-il, porter avec les voix des uns et des autres les textes, lire les textes à voix haute. Moi, je l'ai vu, parce que quand je vais dans des collèges en France ou ailleurs, ou même ici, quand j'ai l'occasion d'aller dans les écoles publiques marocaines, on donne à entendre un texte, les mots. Et surtout qu'on est dans une société de l'oralité, et on sait ce que c'est. Et donc, il y a quelque part l'oralité qui a été complètement discréditée par ce qu'on appelle la raison graphique ou la lecture. C'est-à-dire que quand vous lisez, vous avez tendance à disqualifier ceux qui ne savent ni lire ni écrire. Voyez. Et moi, je pense que la culture orale, c'est quelque chose qui est très riche anthropologiquement. Il faut j'ai fait un roman sur justement la chanson populaire pour lui donner, me semble-t-il, cet autre regard. Mais que lorsque vous avez dans une école un professeur qui lit à voix haute pendant une semaine, pendant 10 minutes ou 5 minutes, un texte, ça donne envie. Et ensuite, on travaille avec les élèves, et puis on fait aussi des concours. En France, il y a le concours avec François Bunel, la Grande Librairie. On m'a demandé d'aller parrainer un collège, où on dit l'importance de l'oralité, l'importance de la rhétorique, l'importance de la critique, l'importance d'entendre une parole singulière. Et je crois que c'est globalement, ce sont tous ces usages dont il faudrait faire un peu le répertoire et de se dire... quels sont les éléments-là qui nous permettraient de passer fondamentalement à une autre étape, plutôt que de se dire que les jeunes ne lisent plus, ce qui est complètement faux sociologiquement. Juste un témoignage, après je laisse la parole à Aurélie, un témoignage personnel avec mes enfants. Mes enfants n'étaient pas des... Quand ils étaient petits, ils n'étaient pas des grands lecteurs. Et alors, je me souviens quand l'un de mes enfants arrivait vers la terminale, et il lisait bien sûr les textes obligatoires dans le programme. Et j'ai dit, est-ce que tu as lu L'Étranger ? Il m'a dit non. Alors, écoute, il me dit, on va faire une chose, appelle tes copains samedi. Et je me suis mis à lire L'Étranger. Je ne suis pas un comédien, mais j'ai lu... Et ils étaient fascinés. Fascinés. Après, évidemment, je n'ai pas tout lu. Mais non, mais après, je vais dire une chose. On va refaire la semaine prochaine. Je vais vous lire Les Jours de Tahsin, traduit en français parce que c'était un pays francophone. Et ils étaient aussi ravis. Et j'ai une petite nièce, là, la fille de ma nièce, petite nièce, qui, elle, son père, un jour, lui a fait écouter, je crois que c'était Jean Ferrat qui chantait Aragon. Et il lui a expliqué que c'était un poème d'Aragon. Elle a appris par cœur la chanson, d'une façon comme une autre de lire. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs usages, comme tu sais, mais il y a aussi plusieurs moyens d'y arriver. On peut y arriver par la lecture comme ça, ou par l'écoute. Maintenant, il y a des podcasts, c'est la mode, mais il faut le vouloir. Il faut que les parents fassent un effort, parce que les parents, c'est des paresseux. C'est pas qu'ils sont paresseux, ils ont tellement de choses à faire, etc. Mais il faut donner à la culture en général, et à la culture en particulier, 100 moments. C'est un moment important. Oui, tout à fait. Donc, en fait, il ne suffit pas de le vouloir ou de le décider. Il y a énormément de pratiques et d'usages à mettre en place pour promouvoir la lecture. Et Aurélie, pendant que Rachid parlait, vous avez acquiescé et vous êtes, j'ai l'impression, oui, totalement d'accord, n'est-ce pas ? Surtout quand il a parlé des auteurs. Et en tant qu'administratrice, justement, de la charte, peut-être nous dire un petit peu comment mettre en place un écosystème favorable à la promotion de la lecture ? Oui, alors c'est très large, je vais essayer d'être synthétique, mais tout d'abord, je tiens à dire que je suis quand même ravie d'être ici, de
face à une salle comble autour de la littérature jeunesse et intimidée en même temps de prendre la suite de Jean-Philippe Arouvignou qui n'a pas pu être présent et qui est l'un de nos grands auteurs jeunesse. Donc je vais essayer de répondre du mieux que je peux. Donc effectivement, j'ai beaucoup hoché la tête parce que je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit à droite et à gauche, en fait. Effectivement, je pense que l'implication de l'auteur dans les politiques de promotion de la littérature est absolument essentielle. Donc peut-être quelques mots de contexte. La première fois que je suis venue au Maroc, hein, sur invitation d'Amina, c'était pour la première édition du livre. Et entre-temps, je suis devenue coprésidente de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse. Donc c'est une association en France, l'association de référence de défense des droits des auteurs et illustrateurs jeunesse, donc une association qui existe depuis 50 ans bientôt, et qui a aussi pour rôle, tout simplement, de faire aussi la promotion de la littérature jeunesse comme une littérature à part entière, avec une véritable valeur. Voilà. Et donc, concernant la question en particulier, effectivement, moi, je suis complètement d'accord sur le fait que la société entière, comme vous l'avez dit, et les auteurs doivent être complètement au cœur des politiques de promotion de la lecture. Donc, pour vous citer un exemple français, puisque c'est ça, mais c'est mes références, hein, nous, l'année dernière, on a eu la lecture qui a été nommée Grande Cause Nationale. Voilà, par le président de la République. Donc effectivement, c'est une démarche dans laquelle nous nous sommes inscrits en tant qu'association. Hein. La Charte des auteurs jeunesse a participé à cette action-là et continue de le faire. Donc on pense que c'est effectivement essentiel, en fait, tout simplement, le fait de parler de la littérature et de la lecture auprès des jeunes, c'est vraiment déjà une manière de se mettre en action. Après, une fois qu'on a dit ça, c'est vrai qu'on a tout de même un contexte aujourd'hui, et je dis ça avec ma casquette de défenseuse des droits des auteurs, où les auteurs jeunesse en France sont une population qui est quand même plongée dans la précarité. Donc nous, en fait, notre combat consiste à dire que la jeunesse, la littérature et la lecture ne peuvent être bien promus que par des auteurs qui vivent correctement de leur activité, a fortiori si c'est leur activité principale, bien entendu, puisque il y a un certain nombre d'auteurs qui font ça en dehors de leur travail quotidien, on va dire. Mais la littérature jeunesse, tout comme la bande dessinée, en fait, font partie des secteurs les plus professionnalisés en France, hein, où il y a le plus grand nombre de personnes qui ne font que ça pour vivre. Et aujourd'hui, on a une problématique sur ce champ-là parce que la plupart des auteurs vivent dans une grande précarité. Quelque chose dont la plupart des gens n'ont pas forcément conscience, c'est qu'un livre jeunesse est en général payé deux fois moins qu'un livre adulte et parfois pour le même travail, et ce alors qu'un livre sur cinq en France qui est vendu est un livre jeunesse. Donc en fait, on est vraiment quelque part dans une économie où finalement des livres sont vendus, mais les personnes qui sont à l'origine, en fait, de cette richesse qui est créée, quand je dis richesse, je parle d'économie, mais je parle aussi bien sûr d'un point de vue intellectuel, les gens qui en sont à l'origine, en fait, en bénéficient comparativement peu. Voilà. Et donc, nous, en fait, notre rôle en tant qu'association, hein, comme charte des auteurs et des illustrateurs jeunesse, c'est de faire en sorte qu'on ait un meilleur équilibre de la valeur. Et je pense que, si vous voulez, en fait, c'est pas seulement une question de revendication pour des gens qui voudraient gagner plus, en fait. C'est que je pense que quand on est plus confortable, d'un point de vue matériel, en fait, on est plus à même de pouvoir vraiment mener cette mission de médiation, puisque, en fait, cette mission de médiation est souvent assignée aux auteurs jeunesse, puisque beaucoup d'entre eux, en fait, font des rencontres en milieu scolaire. Il y a des études qui ont été menées, environ 40% des revenus des auteurs et illustrateurs jeunesse sont issus de rencontres scolaires. Donc, en fait, on est vraiment face à une population qui va voir les gens, qui va voir les jeunes. Et je pense que c'est important de s'appuyer dessus et de les encourager, parce que ce n'est pas des gens qui sont vénaux, en fait, c'est tout simplement des gens qui veulent vivre
de leur métier et de leur travail. Très bien, merci Aurélie. Avant de revenir sur ces différents points que nous avons évoqués, notamment le rôle de l'école, le rôle des parents, etc., je voudrais peut-être, puisqu'on parle de littérature jeunesse, d'identifier un petit peu qu'est-ce que ça représente aujourd'hui. C'est quoi écrire pour des enfants ? Vous écrivez pour des adultes aussi. Alors, est-ce que c'est plus compliqué, c'est plus difficile ? Comment on fait pour écrire pour un enfant qui a 8 ans, qui a 9 ans ? Et comment être sûr que ça va l'intéresser ? Ça doit être le mien. C'est une alarme, vous auriez pu. Voilà, je ne suis pas la seule, voilà. Et en plus, moi, désolée, c'était juste pour le réveil, ce n'est pas un appel, c'est une alarme. Ok avec ça, avec la voilà. Bon, moi, je vais répondre parce que je fais mon 5e livre pour enfants. Mais moi, je fais des livres pédagogiques, je ne vais pas... j'ai raconté les contes des Perrault à ma façon. Mais bon, c'est pour les enfants et aussi pour les grands, mais c'est autre chose. Mais entre le racisme, l'islam, le terrorisme, la philo, et maintenant les arbres racontés aux enfants, eh bien, je me mets tout à fait dans la peau d'un enfant, entre 10 et 12 ans, ça dépend. Pour la philo, expliquer aux enfants, j'avais testé avant j'avais testé sur des enfants, d'amis, tout ça. Je voyais que c'était possible. Un enfant, il ne faut pas le sous-estimer. Ils sont intelligents. Il n'y a pas d'enfant pas intelligent. C'est après que les conditions sociales et plein de trucs qui viennent encombrer son intelligence. Mais un enfant est disponible pour apprendre et pour savoir. Et en fait, il répond très bien. Parce que je dis, bon, ben, vous êtes dans la cour de récréation, quelqu'un vient, il te vole... Ton pain au chocolat, tu dis, tu n'as pas le droit de faire ça. Le mot droit, qu'est-ce que ça veut dire ? D'où ça vient ? Pourquoi ? Etc. Bon, je lui explique. Et après, tu dis, c'est pas juste. Et c'est quoi la justice ? Après, il dit, bon, voler, le vol, c'est quoi le vol ? Enfin, et ainsi de suite, j'ai expliqué à peu près une centaine de concepts qui sont tous des concepts de la vie quotidienne que les enfants utilisent. Bon, je ne pense pas avoir sous-estimé leur intelligence pour comprendre ce livre. Là, je travaille sur les arbres racontés aux enfants. Ben, moi, j'ai découvert les choses en faisant mes recherches, c'est extraordinaire sur les arbres. Et je le raconte parce que c'est du domaine du fantastique, du domaine absolument du fantastique. Parce qu'on est entouré d'arbres partout, on voit, mais on ne s'arrête pas. Pour voir ce que c'est qu'un arbre. Un arbre est un être vivant qui communique, qui est intelligent, qui c'est la notion du respect, qui est solidaire. Il y a plein de choses. Par exemple, un arbre, quand il monte comme ça, il étend ses branches, eh bien, il arrête ses branches lorsqu'il rencontre les branches de son voisin. C'est extraordinaire. C'est comme ça. Bon, et ça, raconter ça aux enfants, ça les fascine. En même temps, j'ai dit, bon, ben, il y a un truc qui a été constaté par des forestiers australiens et allemands, c'est qu'il y a, je ne sais pas dans quel pays, je ne sais pas lequel, soit en Australie, il y a un arbuste, des girafes viennent au printemps et lui bouffent ses bourgeons. Hein? L'Afrique du Sud, oui. Alors, ces arbustes se sont réunis, entre guillemets, ils ont décidé d'attaquer. Comment ils ont fait ? Ben, à partir du printemps prochain, ils ont sécrété une sève tellement amère que la girafe n'est plus revenue. Et on retrouve la même chose dans notre pays, avec un autre arbre, qui a fait la même chose, vous avez des brebis et des chèvres qui venaient. Bon, bref, c'est un autre sujet, mais je dis, quand on raconte ça aux enfants, ils veulent savoir. Ils sont curieux, ils disent, ah oui, c'est comme ça, et ben, si tu lis le bouquin, tu sauras pourquoi, etc. Donc, il faut, quand je pense à, quand j'écris pour les enfants, je pense à leur curiosité. Je dis, le plus important, c'est de travailler leur curiosité, l'éveiller, l'exciter,
qui deviennent, qui sont étonnés. Bah, mais, tu ne veux pas étonner un enfant avec une histoire qui endort tout le monde. Non, l'enfant a besoin de s'amuser aussi. Il a besoin de savoir les choses. Mais tu le respectes, tu sais qu'il est capable de comprendre les choses. C'est très important, l'attitude qu'on a à l'égard des enfants. Les enfants sont à respecter dans leur curiosité et leur intelligence. Et à partir du moment où on respecte un enfant, l'enfant se conduit très bien. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de chahut, il n'y a pas de... C'est normal. Et parfois, il y a des mauvais élèves. Je dis pas qu'il n'y a pas de mauvais élèves. Il n'y a que des mauvais profs. Parce qu'un élève, il vient en classe pour quoi ? Pour apprendre. Merci, M. Bouchloun. Rachid, vous avez écrit des livres aussi pour les enfants, pour les jeunes, disons, et vous avez écrit Voyage au bout de l'enfance, qui n'est pas pour les enfants, mais vous vous êtes mis à la place d'un enfant. Il faut pouvoir se mettre à la place d'un enfant pour écrire un livre comme ça. Alors, comment on y arrive ? On y arrive difficilement, parce que je pense que, quelque part, on ne quitte jamais sa position d'adulte. Donc il faut, me semble-t-il, l'assumer. Ensuite, il y a, au niveau de l'enfance, quelque chose que beaucoup d'adultes ont gardé, la question de l'étonnement, être encore étonné. Tahar parlait tout à l'heure des enfants, de l'étonnement et du questionnement. Moi, ce qui m'intéresse, globalement, quand j'ai essayé d'écrire le Coran expliqué aux jeunes, ou Voyage au bout de l'enfance, en me mettant dans la peau de quelqu'un qui a 8 ans et qui raconte ce qu'il va subir, et en même temps la place de la poésie. C'est-à-dire que j'ai convoqué un imaginaire que moi j'ai depuis gamin, qui est qu'à l'école, on apprenait des poésies par cœur. Et que Voyage au bout de l'enfance, c'est quelqu'un qui se retrouve dans un camp, justement, au nord du Kurdistan, au nord de la Syrie. Et la question qui m'intéressait, c'est plutôt la question du mal. Comment on résiste face à la question du mal ? Que nous est-il permis face à la question du mal ? Et quelles sont les ressources que nous avons pour résister et créer face au mal ? En tout cas, ce livre-là pose véritablement cette question-là. Et il s'avère que Fabien écrit des poèmes et que c'est comme ça qu'il tente de résister par son imaginaire en voulant revenir en France, en redécouvrant son professeur qui s'appelle M. Tanier, ses amis. Donc, c'est-à-dire que globalement, on convoque un imaginaire de l'enfance. Et c'est à partir de là qu'on essaye, me semble-t-il, d'écrire, que j'ai essayé en tout cas d'écrire « Voyage au bout de l'enfance ». En ce qui concerne le Coran expliqué aux jeunes, je me suis dit « Comment faire en sorte pour que Dieu puisse demeurer toujours une question ?» Et en tout cas, parce que pour moi, Dieu n'est pas une réponse, c'est une question. Voilà, et que ce qu'on doit apprendre, me semble-t-il, dans la littérature de la jeunesse et quand on écrit pour la jeunesse, c'est le questionnement. Voilà. Réouvrir constamment des possibles du questionnement et cette capacité de l'émerveillement et essayer d'utiliser, travailler sur la langue de telle sorte que cette langue-là réouvre des possibles. Là où, par exemple, on nous dit il y a un principe de réalité, c'est comme ça et on ne peut rien. Peut-être que quand on est enfant, il y a toujours que le monde n'est pas fini. Il y a quelque chose, quand on est enfant, qui est de l'ordre de la confiance dans le monde et dans les adultes. Quelque chose qu'on perd quand on grandit, on a de moins en moins confiance dans les adultes. Quand on voit l'état du monde, on a de moins en moins confiance dans la langue. Vous voyez, par exemple, quand il y a du mensonge dans une famille, quand il y a du mensonge à l'école, quand il y a du mensonge dans l'entreprise, c'est toute une société qui est foutue. Parce que la parole ne crée plus une dette de sens, les mots ne veulent plus rien dire, les mots, il n'y a plus de lien. Et je trouve que le travail de la jeunesse, c'est justement de pouvoir continuer à croire dans le monde malgré. Et c'est ça la croyance. La croyance, c'est toujours croire malgré. Oui. Sinon, c'est plus de la croyance, c'est autre chose, c'est des médicaments qu'on prend dans Psychologie Magazine ou tout ce que vous voulez, mais c'est cela. Et ce que je pense, c'est que ce qu'on doit apprendre à la jeunesse, en tout cas moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est constamment le questionnement. Voilà, pourquoi tu crois ça ? D'où ça vient ? Pourquoi crois-tu ce que tu crois ? Comment on construit les faits ?
même en science, comment on construit les faits? Comment cette construction est parfois aussi arbitraire? Comment on construit la vérité? Comment ça fonctionne une vérité dans une société? Vous voyez, et c'est là où la philosophie peut être intéressante, c'est là où le conte peut être très intéressant, parce que le conte convoque des mythes. Et une société repose toujours sur des mythes. Et donc, il faut être capable de puiser dans les textes anciens, c'est où ça, ce qu'on appelle l'intertextualité, pour convoquer complètement des imaginaires et apprendre aux gamins qu'une société, à un moment donné, dans une partie du monde, dans une partie du temps, voilà son imaginaire. L'imaginaire, c'est l'ensemble des représentations. Et que lorsque, au bout d'un siècle plus tard, elle n'a plus du tout le même imaginaire. Et aujourd'hui, elle a d'autres imaginaires. Vous voyez, donc, et c'est la question fondamentale, moi, qui m'intéresse, c'est vraiment les représentations de l'imaginaire, puisque, justement, c'est par la langue, me semble-t-il, qu'on crée de nouvelles réalités. Il suffit de faire un autre usage de la langue pour, d'un seul coup, habiter le monde autrement. Alors, je donne souvent ça à mes élèves, en leur disant, écoutez, je leur dis deux choses sur l'importance de l'histoire. Je leur dis que faute d'histoire, on se raconte des histoires, et ça finit par faire des histoires, donc notre rapport à l'histoire et à l'imaginaire. Mais ce que je leur dis, c'est que lorsqu'on, par exemple, on écoute de la musique, par exemple, quand on se balade à Casa avec de la musique, on voit bien qu'on n'habite pas le monde de la même manière. Ça réouvre des possibles. Et donc, le principe de la littérature, notamment de la jeunesse, c'est de ne jamais cesser de réouvrir d'autres mondes possibles à habiter, à ressentir pour pouvoir agir autrement. Parce que si on ne passe pas par l'imagination, on ne peut pas agir. Globalement, ce que je dirais, c'est qu'on est en panne d'imagination. On a plein de mots qui sont devenus des mots creux, vraiment. Et donc, il faut les réinvestir avec d'autres significations, et que la place du rêve, me semble-t-il, elle est fondamentale, parce que c'est pas un rêve au sens de fiction qui n'engendre pas une réalité, c'est plutôt un rêve qui engendre de nouvelles réalités. C'est-à-dire, c'est un processus de création. Et je pense qu'il faut travailler avec les élèves là-dessus. Moi, quand je venais au Maroc ici, quand je le faisais à l'université, mais je faisais la même chose dans les collèges, et je leur disais, mais pourquoi nous croyons ce que nous croyons? Pourquoi nous croyons que le Coran est parole de Dieu? D'où ça nous vient? Et qu'est-ce que c'est qu'une parole? Vous voyez, c'est cela, c'est-à-dire que c'est ce questionnement qui doit réouvrir, me semble-t-il, mais la question de la lecture doit relever du questionnement et du plaisir. Il ne faut pas penser la question de la lecture en se disant, on va avoir des enfants performants parce qu'on en a besoin pour le marché du travail. Là, on passe complètement à côté, d'une des fonctions de la lecture. Une notion de plaisir. Bien sûr, c'est un plaisir de lire. Et en même temps, il faut que la lecture, c'est pas forcément avoir un livre et des pages imprimées à lire. C'est peut-être écouter un livre. Il faut investir aujourd'hui les objets qui sont entre les mains de la jeunesse. Ils utilisent tellement, à partir de l'iPhone, avec tous les trucs, et il faut que disons la littérature investisse ces lieux d'une façon indirecte, et après peut-être qu'ils vont revenir au livre, mais c'est la lecture, c'est aussi l'écoute d'un texte quand c'est bien dit, quand c'est bien mis en scène. Ça peut inciter après le retour au livre papier, au livre concret. Mais c'est une question, c'est l'habitude. Nous, au Maroc, on a un problème. Nous n'avons pas l'habitude de la lecture. Non, pas ça. Ok, il l'est. C'est comme ça. Il n'y a pas. Au Japon, vous prenez le TGV entre Tokyo et Kyoto. Il y a à peu près deux heures, même pas une heure et demie de route, 500 km, tout le monde lit. Mais tout le monde lit quelque chose. Un journal, un manga, un bouquin, bon. Et il y a un phénomène unique au monde. C'est le pays où le premier journal quotidien de tout le Japon, il tire à 18 millions de copies tous les jours. Il n'y a pas un pays au monde qui a ça, ni les États-Unis, ni la Chine, il n'y a qu'au Japon. Alors,
J'étais un peu... Évidemment, il y a d'autres journaux qui... C'est des petits journaux qui ne font que 2 millions, du tout. Mais je me suis dit quand même, c'est bizarre. J'ai posé la question au rédacteur en chef d'un de ces journaux. Et il m'a dit, j'étais avec mon traducteur qui m'interprétait. Et il m'a dit, nous, au Japon, on a une tradition. On a des habitudes. Toutes les maisons dans le Japon sont abonnées à un journal. Et dans une maison, il y a toujours un double abonnement. Un pour la femme et l'autre pour l'homme, pour ne pas qu'ils se disputent. Un jour. Mais ça fait social. Que... Je dis, mais enfin, il y a maintenant Internet, les réseaux sociaux. Il me dit, ça n'a absolument pas fait baisser le tirage. Alors, c'est une question, évidemment, de culture et d'habitude. Pourquoi l'Islande, un tout petit pays de 280 000 habitants, est le pays où on lit le plus au monde? Là, c'est le climat. Mais le climat, il n'y a rien. Il n'y a même pas d'arbres, il n'y a que des rochers. Et puis, c'est étrange, on dirait qu'on est dans un film de science-fiction. Et les gens, ils rentrent et ils lisent. Et tout le monde lit. Bon, nous, au Maroc, on n'a pas ces habitudes. Même nos grands-parents et nos parents, avant l'arrivée d'Internet et de tout ce qui est concurrence aujourd'hui, la lecture, on avait l'école coranique. Bon, mais l'école coranique, c'était un débarras. On envoyait les enfants, on se débarrassait des enfants parce qu'il n'y avait pas de crèche à l'époque. On envoie les enfants pour que la maman puisse travailler dans la maison tranquillement. Mais vous voyez un enfant pour lire des textes durs, compliqués, il ne comprend rien. Pédagogiquement, c'est de la folie. J'ai un enfant, moi j'ai des souvenirs atroces, l'école coranique, où je devais apprendre par cœur, mais je ne comprenais rien. Non, évidemment, après que ça ne vous donne pas envie de continuer à lire. En même temps, bon, c'est quand même le Coran, c'est sacré, c'est important, il reste toujours quelque chose. Il m'est resté beaucoup de choses de l'école coranique. Mais parce que j'ai tenu, après, à approfondir cette lecture, je me suis mis à lire, bien sûr, le Coran, j'ai lu plusieurs fois et dans plusieurs perspectives, mais parce que c'est une volonté. Mais il n'y a pas, chez nous, d'habitude que les parents lisent, les enfants lisent, et tout le monde dit non, on n'a pas ça. Il va falloir, je ne sais pas, il va falloir faire une révolution. Alors justement, on va continuer sur la même question. Est-ce que ça représente de faire lire des enfants et d'écrire pour des enfants? Et je voudrais poser une question, Aurélie. Vous avez écrit des romans parfaitement illustrés, de belles couvertures. Est-ce que l'illustration aussi peut pousser les enfants à lire? Parce que souvent, les enfants, quand ils vont choisir un livre, ils vont s'arrêter à la couverture. Est-ce que c'est aussi un moyen? Alors, je pense que... Je peux en parler dans une certaine mesure, puisque je ne suis pas illustratrice moi-même. Hein. Je fais vraiment le texte, et je peux ensuite admirer le travail qu'ont fait mes collègues illustrateurs et illustratrices ensuite. Et ce que je peux constater, c'est qu'effectivement, une couverture fait la différence. Alors, elle ne fait pas forcément la différence en termes de qualité. Il y a des couvertures d'extrêmement bonne qualité, qui ont été dessinées avec beaucoup de talent, finalement, qui fonctionnent moins bien que d'autres ont été faits avec, on va dire, autant de talent. Voilà, donc c'est ça, si vous voulez, c'est pas forcément quelque chose sur lequel on peut miser, parce qu'en fait, on peut jamais savoir ce qui va vraiment plaire à un enfant ou pas. Et ensuite, alors je vais me permettre de faire peut-être un petit pas de côté, parce que ce qui est aussi intéressant avec la littérature jeunesse, et finalement on a beaucoup abordé le fait, enfin l'idée d'écrire pour la jeunesse et de se remettre en enfance. Donc finalement, tous les auteurs jeunesse sont des adultes hein, qui écrivent pour les enfants, et finalement, les personnes aussi qui mettent les livres dans les mains des enfants sont des adultes. Donc en fait, on est dans un marché où il y a beaucoup de prescripteurs qui ne sont pas les lecteurs finaux. Et c'est intéressant en fait de se poser cette question-là, parce que finalement, entre les enfants et leur lecture, il y a un filtre. Donc, bon,
on peut finalement débattre longtemps de cette question. Finalement, est-ce que les enfants sont les plus à même de faire les meilleurs choix en termes de lecture? Est-ce qu'ils vont immédiatement vers les œuvres de plus grande qualité, ou est-ce que finalement ils foncent plus vers les œuvres commerciales? À mon sens, la question ne devrait pas forcément se poser comme ça. Je pense que la communauté éducative a un rôle, en fait, effectivement, d'aiguiller les enfants vers de la de la littérature de qualité qui va un peu ouvrir leur esprit et vers lequel ils ne seraient pas allés. Mais en même temps, ce à trop forcer les enfants à lire des textes qui ne leur semblent pas adaptés ou vers lesquels ils ne seraient pas allés naturellement, on peut, en fait, créer un genre de rejet, on va dire. Donc comment faire, en fait, pour doser justement, en fait, cet aiguillage de l'adulte vers l'enfant qui est légitime, et en même temps laisser toute la place à l'enfant pour choisir même la plus infâme, je veux dire, le plus infâme livre commercial, mais qui lui plaira et qui lui donnera envie de continuer. Comment on fait ça? Et je pense que c'est vraiment le cœur de la question, en fait. Donner envie aux enfants et en même temps leur fournir, sans que ça leur pèse trop, des outils pour que plus tard, ils se fassent leur propre opinion de lecteur et qu'ils aient envie de pousser plus loin vers des œuvres qui soient un peu plus surprenantes ou qui puissent leur ouvrir des mondes. Voilà. On peut se poser la question, par exemple, du succès planétaire de Harry Potter. C'est quelque chose qui m'a toujours intrigué parce que, au départ, cette dame ne pensait pas du tout faire un livre qui va avoir un succès mondial, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? C'est ça ce qu'il faut voir. Parce que quand on analyse, j'en ai lu un, je n'ai pas pu aller plus loin, mais c'est quand même, il y a une technique où l'imagination est complètement libre. Vraiment, c'est les enfants adorent ça, finalement. Ils s'identifient à cette liberté, ils sont là. Et puis, on leur raconte des histoires, et des histoires, et des sorcières, et des machins, et des trucs. On ne cherche pas le réalisme, on ne cherche pas si c'est vrai ou pas vrai. Et elle a fait, je dirais, à son corps défendant, elle ne savait pas qu'elle faisait un livre planétaire. Ça m'a rappelé un autre succès phénoménal dans ma jeunesse, qui s'appelait « Le monde de Sophie ». Qui était un livre d'une Norvégienne, qui aujourd'hui revient au théâtre. C'est curieux. Mais à l'époque, ce livre, tout le monde le lisait, les adultes, les grands, les petits, tout le monde. C'était un succès énorme. Et il faut savoir qu'à ce moment, il y a des auteurs qui, par la grâce absolument difficile à définir, arrivent à trouver le ton juste, ce que les enfants attendent. Ce que la jeunesse attend. Et ça, c'est le talent. Je ne sais pas comment on peut l'expliquer. On ne peut pas, par exemple, se dire, tiens, je vais faire un livre pour tout le monde. Non, c'est plus compliqué. C'est très compliqué. Mais l'intérêt, c'est tomber sur le ton juste et la tournure juste. Et ça, c'est fabuleux. Pourquoi Harry Potter est lu dans toutes les langues du monde, partout, et pourquoi? Et alors, on se retrouve que ce n'est pas valable qu'en Occident, parce que Harry Potter, l'imaginaire des enfants du Caire ou d'Abidjan, est le même que celui d'Oslo ou de Stockholm. C'est la même chose. Les enfants ont besoin de s'évader, qu'on lui leur raconte des histoires. Oui, alors vous évoquiez tout à l'heure, M. Benjelloun, vous évoquiez la rencontre avec ces enfants et le fait de pouvoir leur lire à voix haute. Parce que ça les fascine, et effectivement, je suis totalement d'accord, parce que moi-même, je voyais des enfants rencontrer des auteurs, et pour les enfants, tous les auteurs étaient décédés. Ils n'existaient pas dans la vraie vie. Donc, quand ils les rencontrent, ils sont vraiment fascinés. Donc, Aurélie disait tout à l'heure que l'année dernière, la lecture était une grande cause nationale. Ce sera le cas aussi chez nous, puisque justement, il y a un grand chantier lancé pour la promotion de la lecture, dans lequel il y a une partie, 15 minutes de lecture, par exemple, par jour. Ou par semaine, je ne me rappelle plus, à l'école.
Voilà, moi je dis que est-ce que c'est suffisant justement de mettre en place des petites mesurettes comme ça, 15 minutes de lecture? C'est peut-être bien pour démarrer, mais ce n'est peut-être pas suffisant. Et rencontrer des auteurs, ça peut être aussi bien. Alors, est-ce qu'il y a des auteurs jeunesse disponibles pour aller dans les écoles, rencontrer les enfants, leur lire des livres, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait peut-être pas penser à mettre en place un système justement pour Il y a un ensemble de choses. Il y a évidemment l'auteur qui écrit pour les jeunes, qui se déplace, qui va voir les enfants, qui leur parle. Et il faut les séduire, les enfants. Absolument. Si vous arrivez de mauvaise humeur, ils ne vous écoutent pas. Il faut les faire rire. Il faut les détendre. Quand j'arrive dans une classe, je commence par détendre l'atmosphère. Parce que sinon, comme ça, ils sont tétanisés. Non, il y a plein de choses à faire. C'est pas ça. C'est que ce qu'il faut, c'est multiplier le nombre. Moi, je dirais que tous les écrivains dont nous disposons au Maroc, en arabe, en français, en espagnol, qui écrivent n'importe quelle langue, c'est un devoir d'aller rencontrer les enfants dans les écoles. Et moi, je privilégie toujours l'école primaire. Parce que c'est là où les choses se passent. Après, oui, c'est bien après, mais à la base, c'est le primaire. Et y aller, et que les enfants prennent l'habitude de voir que des adultes racontent des histoires et qui viennent les inciter à les lire et les séduire pour qu'ils les lisent. C'est un ensemble de choses. Je crois qu'on peut le faire. C'est pas impossible. C'est pas un chantier impossible. Mais il faut que tout le monde s'y mette, hein, parce que il n'y a pas que d'ailleurs les écrivains. Il y a aussi les musiciens. Il y a les comédiens, il y a les sportifs. Bon, les sportifs, ce n'est pas leur fort, la lecture. Mais bon, mais on peut les faire venir pour faire un peu la propagande de la lecture. On peut se baser un peu sur leur popularité, sur leur célébrité, pour faire l'éloge de la lecture. Mais c'est un travail qui concerne tout le monde. Et partout, sans exception. Il ne faut pas dire, bon, ben, il faut pas. Mais tous les auteurs doivent ces petites choses. C'est comme une taxe à payer. Mais c'est rien, il faut y aller, simplement. Rachid, vous allez aussi dans les écoles, vous rencontrez les jeunes et peut-être même les enfants aussi. Comment les intéresser justement à ce qu'on leur raconte? Parce que quelquefois, on est sur des univers différents, on reste adulte quand même. Et puis, comment les intéresser? Après, je dirais, c'est une question de pédagogie et de personnes. Il y a des personnes qui arrivent très vite à comprendre le monde dans lequel les enfants sont leur univers, leur représentation, leur imaginaire. C'est la première des choses. Même un maître d'école devrait d'abord voir les conditions de vie de ses élèves, les films qu'ils regardent, les séries, leurs références. C'est comme cela qu'on fait une éducation. Oui. Donc d'abord, moi je suis conscient de mon histoire, de mes lunettes pour lire le monde. Et j'ai des gamins, donc il faut que je puisse un peu savoir pour ensuite les ramener. Ça, c'est le premier élément. Et ensuite, l'idée de la curiosité et l'amusement. Il faut que ça soit un jeu. S'il n'y a pas de jeu, si on n'arrive pas à faire cet écart, on ne les intéressera absolument pas. C'est-à-dire que globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'en partant d'abord de leurs références et de les faire réfléchir sur leurs références et ensuite les ramener vers nous. Pour moi, c'est le vrai travail, je dirais, de gestation et globalement de transmission. Mais pour cela, il faut que lorsqu'on intervienne dans une école, que d'abord que ce soit aussi un produit, je dirais, un processus pédagogique qui concerne l'ensemble des autres classes. Et que ce ne soit pas simplement un à-coup comme ça, mais que ce soit véritablement dans le projet éducatif. Et ensuite, moi, ce que je demande, c'est de temps en temps de rencontrer les parents. Parce que je peux vous parler des expériences que j'ai eues au Maroc, etc. À un moment, j'ai commencé à dire, j'ai envie de faire une conférence pour les parents. Pas uniquement pour... Pourquoi? Parce que ce qu'ils apprenaient avec moi, dès qu'ils allaient à l'extérieur, c'était terminé, ils recevaient des baffes, c'était une fin de non-recevoir. Et donc, quand vous éveillez les jeunes à des questionnements et que l'environnement
l'environnement est incapable, je dirais, de saisir simplement le questionnement et qu'il les renvoie dans une espèce de violence, ils reviennent et ils vous en veulent d'avoir suscité en eux ce type de questions. Il y a de la frustration. Il y a de la frustration. Et donc, du coup, la question, c'est comment on travaille avec l'ensemble des profs pour que ce soit quelque chose qui relève d'une pédagogie institutionnelle, comment on travaille avec les associations autour et comment aussi on travaille avec les parents. Parce qu'une école où les parents sont exclus dans ce type de travail, on n'y arrivera pas. Moi, je le pense, c'est-à-dire qu'un enfant, quand il arrive, il est issu d'un environnement. Si on travaille uniquement sur cet enfant en pensant que dans l'environnement, ça sera, c'est complètement faux. Vous pouvez faire tout le travail, il peut être complètement détruit dans la famille ou dans la rue ou dans le quartier. Donc c'est pour cela que la question de la lecture, pour moi, elle ne peut être pensée que de manière globale. Globale, c'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, si on a décidé au Maroc que les gamins doivent lire 15 minutes, ok, comment on fournit les livres ? C'est une vraie question. Qui paye ? Voilà, c'est un vrai questionnement que nous devons avoir. C'est quoi l'économie et comment faire pour que comment on évalue ? Comment on évalue dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans ? Qu'est-ce qu'on en attend ? Parce qu'il ne faudrait pas simplement que ce soit simplement des éléments idéologiques, mais qu'est-ce que nous en attendons ? Et la question, c'est que en se posant cette question, il y a une question qui est fondamentale sur la société en disant mais quel type de citoyen nous voulons ? C'est une vraie question et cette question-là, elle ne peut pas être gérée simplement au niveau du ministère de l'Éducation. Et que globalement, nous devons mettre ce que j'appelle ce phénomène d'hybridation, c'est-à-dire que globalement, il faut travailler dans une espèce de transdisciplinarité où vous avez le ministère de la Culture, vous avez le ministère des startups, je ne sais pas comment on les appelle ici, mais que globalement, vous devez avoir des lieux de passage, de frontières qui se jouent, où on brouille les cases pour créer quelque chose. Je vous donne simplement un exemple. Moi, je travaille en ce moment sur tout ce qui relève des théories de la reconnaissance. C'est-à-dire que globalement, les êtres humains ont besoin d'abord d'être reconnus. Ça nous vient de chez Hegel, et que pour cette reconnaissance, il peut y avoir une lutte à mort pour être reconnu, quand on touche à sa dignité, l'humiliation, le mépris, etc. Donc, j'essaie de voir, au niveau institutionnel, qu'est-ce qui permet de la reconnaissance ? Et je me suis retrouvé à Toulouse, je fais 4 ou 5 villes pour essayer de voir. Excusez-moi. Il y avait un EHPAD. Dans cet EHPAD-là, il y avait des artistes qui étaient en résidence dans cet EHPAD. Il y avait de la restauration. Il y avait 2 ou 3 start-up. Et puis, il y avait des associations de centres sociaux. De telle sorte que, d'un seul coup, ça coexistait ensemble. Et le fait que ça coexiste ensemble, automatiquement, vous avez quelque chose d'inédit. Pourquoi ? Parce que vous n'êtes plus en silo. Hein, comme j'ai jamais autant appris ce mot-là que depuis que j'étais à la commission du nouveau moyen de développement. Tout le monde disait qu'il faut arrêter de travailler en silo. Je dis, mais ça veut dire quoi, silo ? Et j'ai compris, mais que globalement, nous, ce que je veux dire par là, c'est que nous n'arriverons pas s'il n'y a pas d'innovation institutionnelle. S'il n'y a pas une innovation institutionnelle, nous n'y arriverons pas. Il faut arrêter de penser qu'avec les institutions dont nous avons hérité, telles qu'elles ont fonctionné, nous allons y arriver. Nous avons affaire à de nouvelles manières de poser les questions et on a besoin de réfléchir institutionnellement, dans l'entreprise, institutionnellement, à l'école, ailleurs, comment on va créer ce qu'on appelle des tiers-lieux, des lieux d'hybridation. Parce que l'avenir est à l'hybridation. Je vous donne simplement un exemple, j'arrêterai dessus. J'en discute avec mon ami. Un jour, on prend le train et ça, c'est quelqu'un qui vient du hip-hop, il s'appelle Sully Biwax, il a fait plein de tubes dans l'hip-hop. Et à un moment, il y a une personne qui rentre, un homme maquillé avec une robe. Et là, il me dit n'importe quoi. Et il me dit ça comme ça, c'est n'importe quoi. Et je lui dis, pourquoi tu dis que c'est n'importe quoi ? Il me dit, mais t'as vu, un mec en robe, c'est n'importe quoi. Je lui dis, écoute, tu dis c'est n'importe quoi à partir de ton propre système de référence, qui est un homme qui est comme ça, une femme est comme ça. Il m'a dit, bah oui. Je lui dis, et si ton système de référence n'était pas aussi bon que ça ? Parce que fondamentalement, on met les gens dans des cases, parce que l'être humain, on a besoin de ramener l'inconnu au connu. Et si ça ne rentre pas, ça crée des angoisses. Et moi, je pense que nous avons affaire à des gamins qui sont hybrides. Et donc, du coup, notre conception des choses
pour les aider à grandir, ça ne peut pas être en silo et en case comme on a fait avec l'école qui est une espèce de sacro-sainte, on n'y touche pas, etc. On a besoin vraiment de lieux d'hybridation où il y a plusieurs ministères qui sont ensemble, où il y a plusieurs institutions qui sont là, qui sont ensemble. À Trappes, là où j'habite, on est en train de créer un lieu pour que les parents et les élèves ne se rencontrent pas dans un lieu scolaire. Que lorsque les parents sont convoqués, on puisse y avoir un autre lieu. Parce que si vous êtes convoqué en tant que prof, en tant que parent, ben vous êtes convoqué par l'administration, par l'institution, et il y a des rapports dominants-dominés d'autorité. Le professeur, une fois qu'il est là, c'est lui qui a l'autorité. Vous ne l'avez pas. Et donc la question, c'est comment on crée d'autres rapports de force. Parce que le pouvoir, si on veut qu'il fonctionne, il faut accepter que l'autre puisse avoir un contre-pouvoir sur vous. Sinon, ça ne fonctionne pas. Et moi, j'aime beaucoup globalement Simone Veil qui disait qu'il faut armer les plus faibles car le fort a tendance à devenir barbare. Et quand on est dans une institution, parfois, on ne se rend pas compte qu'on est barbare avec les autres. Dans une entreprise, on est barbare avec les autres. On peut humilier les autres. Et donc, il ne faut jamais laisser l'autre sans contre-pouvoir sur soi. Et c'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse au niveau de la jeunesse, quand je discute avec elle, c'est dans quelle mesure je la laisse, même avec mon fils, alors que parfois j'ai envie de lui rentrer dedans de manière mais assez incroyable, parce qu'intellectuellement, ben, je le bats. Mais je me dis, là, si je fais ça, c'est du pouvoir. Alors je le laisse avec un petit couteau, qui puisse me faire mal comme ça, pour avoir un contre-pouvoir. Et c'est ça la vraie question dans l'éducation, c'est dans quelle mesure le professeur laisse aux élèves un contre-pouvoir sur lui, dans quelle mesure l'éducation que nous donnons à nos enfants, nous laissons un pouvoir à nos enfants sur nous-mêmes, ça c'est pas facile. Parce que quand vous êtes dans la logique de la puissance, bah, vous n'êtes pas dans la logique de la fragilité, de la vulnérabilité, vous voyez. Et je crois qu'on ne peut pas penser la question de la lecture et de l'écriture et de type de citoyen si nous ne pensons pas à l'intérieur d'une société les rapports de pouvoir. Parce que ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et il me semble que la littérature, le théâtre, et comment on va associer la lecture, comme tu disais, Tahar, avec de la voix, avec du son, avec de la musique, avec un illustrateur qui va illustrer directement. C'est-à-dire que globalement, on a des gamins qui sont capables, comme nos iPhones, hein. Il y a le GPS là-dedans, il y a Siri, c'est comme Alexa. Alexa fait ceci, Alexa fait... On est devenus des êtres hybrides. Et donc la question, c'est comment on pense à l'intérieur dans un monde hybride. Et je crois que malheureusement, nous sommes encore dans le 19e siècle, dans nos manières de faire. Voilà, globalement, c'est ça. Alors, pour revenir un peu à la lecture, parce que là, tu es parti dans un autre monde. Hein. C'est lié. C'est lié, je sais. La lecture. Globalement, c'est... Parce que lire, c'est lire le monde dans lequel on est. Donc, oui, mais c'est une approche philosophique. Okay. Je suis d'accord avec toi parce que je te connais, je sais très bien ce que tu veux dire. Mais revenons aux enfants. Quand je vais dans une école, si les profs, les maîtresses d'école ou les instituteurs n'ont pas fait un travail sur eux-mêmes et avec les enfants, c'est pas la peine. Ça m'est déjà arrivé, très rarement une fois ou deux, d'arriver dans une classe où rien n'a été préparé. Et les enfants m'attendent, et j'étais là, je dis, qu'est-ce que vous attendez? Je dis, ben, le cours. Ça est arrivé. Le cours. Voilà. Donc, c'est très important parce que le fait de faire venir un artiste, un créateur, un comédien, un musicien ou un écrivain, c'est un événement pour la classe. C'est un événement, ils vont s'en souvenir. Donc, il faut la préparer, cet événement. Préparer pendant 15 jours, 3 semaines. Donner à l'enfant à lire des passages de son œuvre. Si c'est un musicien, lui faire écouter la musique qu'il fait. Et c'est une façon d'instruire l'enfant. Et quand l'artiste ou le créateur ou l'écrivain arrive, ils sont préparés, ils attendent un événement. Et c'est vrai que de notre époque, ben, les écrivains ne venaient pas chez nous. Un écrivain n'existe que s'il est mort. C'était quelque chose de stupide. Mais bon,
c'est une autre époque. Aujourd'hui, au contraire, les écrivains vendent dans les écoles. Et malheureusement, pas assez. C'est ce que je dis. Donc, c'est un travail à plusieurs dimensions et en même temps, ça touche tout le monde. Avant d'arriver à l'enfant, le prof, les parents, la volonté, etc. Sinon, on ne peut pas avancer. Avant de poser la dernière question pour faire le tour de table, j'aimerais faire réagir justement Aurélie sur le livre et le fait que le livre soit totalement lié à l'école. Est-ce que le livre ne gagnerait pas à être, en tout cas pour les enfants, à être un petit peu en dehors de l'école? Vous me posez une question qui est un petit peu difficile à répondre, d'autant qu'en plus j'ai envie de rebondir telle une balle de ping-pong sur tout ce qui a été dit. Donc pour répondre à cette question du en dehors de l'école, en fait malheureusement le fait est que ça c'est un petit peu la roulette russe en fait, c'est-à-dire que si vous avez un cercle familial est très très attentif au fait que vous ayez des livres à la maison, à vous lire des histoires, etc. Là, vous pourrez découvrir facilement les livres. Alors que si ce n'est pas le cas, ce sera plus compliqué et l'école remplira ce rôle. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans ce qui a été dit, c'était d'une part cette importance du fait de la rencontre d'écrivains et d'écrivaines vivantes auprès des enfants, et le fait aussi de faire tomber en fait, des barrières. Je trouve que les deux se rejoignent, en fait. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup d'enfants en France, et sans doute au Maroc, que je connais moins, mais je pense que c'est pareil dans tous les pays du monde, des enfants qui se sentent exclus, en fait, de la lecture, qu'ils assimilent à de la culture savante, qui n'est pas pour eux. Et là, finalement, je vais peut-être tout simplement en fait, vous confier mon expérience personnelle qui est celle finalement d'une jeune autrice quand j'ai débuté et qui me suis retrouvée à devoir aller faire des rencontres dans des classes de 3e, 4e, donc auprès d'enfants de 13 à 15 ans. Au début, j'en menais pas vraiment large, je n'avais pas très envie de retourner au collège. Mais finalement, en fait, avec le temps, et très rapidement, je me suis rendu compte que c'était ça que j'appréciais particulièrement, en fait, ces élèves-là. Et plus encore, les élèves qui n'étaient pas très bons en classe, les cancres, ceux qui n'avaient pas lu mes livres. Parce que finalement, ça commençait toujours pareil. Les enfants, ils sont là, ils vous regardent avec un espèce de petit air, en souriant, en se moquant un petit peu, en se poussant du coude, Et finalement, au fur et à mesure de l'échange, on parle de sujets, d'autres qui ont trait à la littérature, mais aussi au sujet des livres. Et finalement, on voit ces enfants qui n'ont pas lu les livres, qui arrêtent de balancer leur stylo dans tous les sens et commencent à écouter et commencent à se sentir concernés au même titre que tous les autres qui ont lu le livre. Et pour moi, c'est ça qui est important, en fait, avec l'implication des auteurs parmi, finalement, toute la société. Et la Je pense que c'est là-dedans, en fait, que réside vraiment cette espèce de clé dans une dédramatisation de la littérature. Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, qu'il ne faut pas enseigner les classiques, ce n'est pas du tout mon propos, mais finalement, montrer aussi que, finalement, les auteurs, c'est des vraies personnes et que les livres, c'est pour tout le monde. Et en fait, je pense que les meilleurs ambassadeurs de ça, en fait, c'est vraiment les auteurs. Voilà. Donc après, on peut avoir chacun nos publics privilégiés, puisque Monsieur Benjeloun préfère intervenir plutôt auprès des plus jeunes, et c'est vrai que c'est là qu'on a le plus de chance, en fait, finalement, de les prendre à la racine. Voilà. Moi, j'ai une affection particulière pour les adolescents. Je ne sais absolument pas pourquoi, mais ils me touchent. Voilà. Et finalement, c'est aussi ça qui est intéressant. C'est la pluralité des auteurs et de leur manière de communiquer. Parce qu'il faut, comme ça a été dit, trouver le bon ton pour parler avec le public. Et effectivement, il y en a certains qui sont extrêmement bons pour parler avec des enfants de maternelle. Moi, je suis très nulle pour ça. Et d'autres qui sont bons pour parler avec des plus âgés. Et voilà. Je pense vraiment introduire la littérature comme étant quelque chose de vivant au sein des écoles, pas juste un truc plein de naphtaline et pas intéressant. Et le pire en plus, c'est que je suis persuadée que les classiques sont très rock'n'roll. Mais avant de comprendre ça, en fait, il faut déjà avoir la compréhension de la littérature contemporaine et du fait de la vie d'un auteur. Pour comprendre que Balzac
a finalement été quelqu'un de novateur à son époque, il faut déjà en fait comprendre comment on fait un livre, comment vient un auteur, etc. Qu'est-ce que c'est la création et comment on choisit ses sujets, etc. Et se sentir part de cette grande famille en fait, qu'est la famille des lecteurs. Voilà, j'ai fini. Très bien. Alors une dernière petite question. Bien sûr, on ne peut pas finir sans parler du salon du livre jeunesse. C'est une initiative privée. Amina se bat pour justement offrir aux jeunes lecteurs un espace qui leur est totalement dédié. Ça vient juste après le salon du livre de Montreuil, où il y a de nombreux visiteurs, c'est soutenu, etc. Alors, l'importance d'une initiative comme celle-ci, justement, dans la promotion de la lecture. Est-ce que Amina a besoin d'être aidée, soutenue pour faire encore plus, pour faire d'autres belles éditions et pour grandir au fil des années? Moi, je le pense sincèrement. C'est-à-dire que globalement, Amina a besoin d'abord d'hommes et de femmes pour la soutenir dans cette initiative-là, parce que c'est une initiative personnelle. Et donc, la question, c'est comment pérenniser cette initiative en l'institutionnalisant, mais en lui permettant toujours cette possibilité de créer autrement. Donc, on a besoin des entreprises. Moi, Amina, elle sait que je porte son débat en haut lieu et on va essayer pour l'année prochaine qu'elle ait un peu plus de moyens. Malheureusement, là, on a été pris sur du court terme, mais je suis prêt à cotiser. Aussi. Très bien. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté de... Je suis désolée, nous n'allons pas pouvoir faire de séance questions-réponses, malheureusement. Oui, c'est dommage. Je vous explique juste pourquoi. Je sais, c'est dommage. Effectivement, nous aurions voulu rester plus longtemps et discuter. Est-ce que je peux juste expliquer pourquoi il y a des gens qui sont arrivés directement, alors ils sont de l'avion, de l'aéroport ici, ils sont fatigués. On a encore deux autres jours, vous aurez peut-être l'occasion de les croiser, de discuter avec eux. Je ne veux pas finir sans remercier le Book Club le matin qui accompagne cette initiative. C'est notre partenaire média, c'est le partenaire média du Salon du Livre Jeunesse de la librairie Porte d'Enfa, portée par Amina Msnaoui, la fondatrice. Je vous remercie de votre présence, de votre intérêt et à très bientôt pour la suite du salon et des activités du salon.